Bonjour et bienvenue sur Demeure officielle. Je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Demeure Nyangui-Mukuseyata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, n'est-ce pas? En ma qualité de congosseuse, c'est-à-dire la youtubeuse certifiée, aujourd'hui, je suis invitée dans un très grand événement, ok, ici, à Mahadia Gospel. Il s'agit bien entendu de quelque chose qui va accompagner le corps du Christ, n'est-ce pas? Mais surtout, les artistes de la musique gospel seront bien entendu ceux-là qui vont bénéficier de ce que vous allez voir tout à l'heure. Comme vous le savez tous, le concours Mahadia Gospel, enfin Mahadia Talent, je voulais dire, un des produits de Mahadia Gospel a commencé comme une aventure. Même quand il y a eu le lancement d'abord de Mahadia Gospel, il y avait les panneaux publicitaires de gauche à droite. On se demandait c'était quoi, on voyait les artistes gospel. Et puis plus tard, on voit ce merveilleux concours à Mahadia Talent qui a connu un succès mais énorme. On a appris que Mahadia Gospel a signé avec pas mal d'artistes gospel, histoire de leur produire, de leur accompagner. On a vu même les ambassadeurs. Mahadia ou Gospel, c'était déjà des stars, hein, mais ils sont encore devenus très stars dans notre communauté, pourquoi pas à l'international. Et nous avons même constaté que Mahadia ou Gospel a même signé avec un artiste gospel ivoirien appelé KS Bloom, n'est-ce pas, comme ambassadeur toujours de Mahadia ou Gospel. Ils sont en train d'évoluer, arriver jusqu'à l'international. La première édition de Mahadia ou Talent, ce merveilleux concours de jeunes talents gospel, n'est-ce pas, qui se passe ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, qui va même bientôt prendre fin. On va passer au vote et tout cela. Ça se passe merveilleusement bien. On voit l'évolution, on voit comment est-ce que les choses avancent. Mais en dehors de tout ça, qu'est-ce que Mahadia Bou Gospel prévoit? Qu'est-ce que Mahadia Bou Gospel a comme planning? Qu'est-ce qu'il a derrière? Qu'est-ce que Mahadia Bou a derrière les contrats signés avec les artistes? C'est toutes ces choses et tous ces mystères cachés derrière ce merveilleux concours. On ne sait pas c'est de qui, ça appartient à qui, c'est venu d'où, comment, il y a celui-ci et celui-là qui est derrière et tout ça, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est la manière dont on emmène haut, bien entendu, la musique gospel de la République démocratique du Congo, pourquoi pas de tous les artistes gospel à travers le monde qui nous intéresse particulièrement. Aujourd'hui, je suis ici chez Mahadia Gospel pour l'ouverture d'un studio d'enregistrement, mais pas n'importe quel studio, un studio avec les normes internationales, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nos artistes n'auront plus à envier les artistes de la musique profane qui font du world music aujourd'hui, qui se déplacent pour aller enregistrer à l'étranger. Même les artistes de gospel quittent la République démocratique du Congo pour aller enregistrer à l'étranger. Plus rien à envier des studios de la France, des États-Unis. Mahadia Gospel nous a créé un studio qui se trouve être dans les normes internationales. C'est là à Kinshasa, le studio Neema by Mahadia Gospel, c'est ici en République démocratique du Congo. Écoutez, je vous ai dit que je suis congosseuse, n'est-ce pas? Vous savez que j'aime marmaille, hein? Mais ça rigole pas. Je voulais suivre au fait en image la cérémonie de l'inauguration, de l'ouverture, tout ce qui est dit par rapport à ce studio, ces artistes gospel de renommée que vous connaissez, les ambassadeurs de Mahadia Gospel, les artistes signés Mahadia Gospel qui étaient présents à l'ouverture. Et d'ailleurs, l'un des représentants de Mahadia Gospel nous a expliqué en quelques mots au fait ce que nous allons découvrir dans ce merveilleux studio, mais aussi, vous allez voir en image l'intérieur du studio, c'est que ça nous propose, c'est que ça va nous offrir. Je suis sûre que vous serez hébété comme moi, vous serez mes... Je vous laisse suivre ça en image et on se retrouve tout juste après. Inviter notre papa, le docteur Prosper, qui va faire la prière d'ouverture et puis il y aura un petit discours et nous allons passer à la visite guidée. Après la visite guidée, nous allons passer au cocktail. Donc c'est juste un petit programme pour 45 minutes ou maximum 30 minutes. Donc merci beaucoup. Je vais inviter Dr Prosper sous vos applaudissements et puis il va plaire. Alors, Père Céleste, nous approchons de toi cet instrument à la disposition du
Comment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et remettre en ton main ce programme qui va nous conduire à l'ouverture officielle de cet instrument que tu as donné à l'Église en ces temps. Sois béni parce que toi, tu nous conduis du début jusqu'à la fin de ce programme. Maintenant, puissant notre Seigneur Jésus-Christ, amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'inauguration de notre studio dénommé Neema by Majabu. Neema by Majabu, c'est un studio d'enregistrement, de mixage et de mastering à Kinshasa, RDC. C'est un studio qui est dédié à tous les enfants, je vais dire chrétiens, à tous les chrétiens, parce que nous travaillons dans le monde du gospel. Et bien évidemment, par rapport à sa disposition, nous avons une console S6 à vide avec 3D canaux et unique en RDC dans un studio commercial. Pour nos méthodes de travail modernes qui répondent à une demande universelle dans les meilleurs délais, nous faisons la réalisation, les enregistrements, le mixage et le mastering de nombreux artistes, marques et maisons des disques gospel. Un studio prestige pour satisfaire les demandes plus exigeantes. Neema by Majabu s'est équipé de matériel le plus audiophile, plaçant ainsi le studio parmi les meilleurs du marché. Notre régie est équipée d'une console analogique à la fois numérique S6 à vide sous Pro Tools Ultimate qui peut aller au-delà de 70 pistes grâce à un système denté. Les deux stations d'enregistrement reliées par réseau présentent de nombreuses machines minutieusement choisies, conférant un son unique. Les racks majeurs et la chaîne de mastering ont été doublés afin d'assurer une parfaite continuité de rendu d'un studio à l'autre. Une expérience globale de la composition à l'impression du support, Neema by Majabu, c'est une équipe de producteurs, compositeurs, arrangeurs et ingénieurs du son. Nous prenons en charge toutes les étapes de la réalisation musicale jusqu'à l'obtention d'un produit définitif irréprochable. Chez Neema by Majabu, chaque ingénieur du son est un réalisateur musical. Nous menons donc une expertise 360, anticipant toutes les étapes des confections de votre phonogramme, de sa fabrication. Nous cassons les barrières de l'enregistrement, puis mixage, encore mastering, pour apporter une réalisation d'ensemble. Un service client complet, audit gratuit, conseil et suivi de production. Dans une industrie du disque aujourd'hui complètement métamorphosée par le numérique et l'autoproduction, le studio Neema by Majabu se localise parmi les pionniers du service client. Notre politique sera d'apporter une forte valeur ajoutée à chacune de nos interventions. Pour cela, une bonne isolation phonique, des cabines d'enregistrement de grand cœur, band, lead vocal, batterie ainsi que la régie, mixage et mastering, avec système de communication par vidéo. Bien équipé en climatisation centrale, duplication et impression de CD, clé USB, Neema by Majabu dispose d'une application créée par Majabu Gospel qui vous aidera à distribuer votre musique sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Pour cela, nous avons pris une année pour réaliser ce projet, ce grand projet, et par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu par rapport à cette réalisation. Et pour cela, au nom de la direction de Majabu, au nom du couple Bondo, je vous remercie et nous allons passer à la coupure du ruban. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Thank you.
chaque rêve à tes pieds. Chacun de je laisse chaque moment de ma distance. N'échange rien à ce que je contemple. Je voulais gagner cette partie. Je l'avais mes mains sans lasse. J'ai besoin de ta paix, puissant guerrier du combat. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Je n'y déplace pas le montagne que je voudrais que tu déplaces, mon Dieu. Tu n'es déjà vu. Alors en toute chose ma vie, mon souffle. Tu es ce que je désire et rien d'autre. Alors ça c'est notre régie qui est là dans le, la console AVID S6 dont nous, nous venons de parler. Et avec les ingénieurs du son qui sont là, dans chaque fois que la personne enregistre, vous avez le système vidéo qui est là, qui prend en charge. Donc ici, déjà, à partir de la régie, on peut vous voir ce que vous faites là-bas à l'intérieur. Alors après ici, je peux encore vous ramener de l'autre côté. Alors, ça c'est le studio. Ça c'est le studio qui est là. Alors c'est pour l'enregistrement de la bande, ainsi que d'autres, de grands chœurs, qu'on a des captures à faire comme étant des grands chœurs et tout, on les fait partir d'ici. Donc, voilà comment ça se présente. Et puis après, nous avons la cabine pour la batterie. Donc, c'est là, vous pouvez entrer, voir. Cabine pour la batterie. Donc, c'est comme ça, ça se présente. Donc, tout ça, c'est l'acoustique. Et puis, à part cette cabine-là, nous avons une autre ici. Ça, c'est pour les leads. Oh bon. Ah oui, donc chaque fois que la personne est là, il peut il fait son chant et tout, et puis voilà. Donc c'est comme ça, ça se présente. Si quelqu'un doit passer la nuit, il y a un endroit pour se reposer un peu? Oui, il y a un endroit, mais c'est de l'autre côté, parce qu'on n'a pas voulu mélanger ici, donc ça sera de l'autre côté. Ok, donc à part ça, il y a maintenant la régie pour le mastering et mixage, et qui va nous servir aussi à la duplication des CD. Là. Donc, je crois que c'est éteint. La lumière là. Donc ça sera comme ça. Donc on est en train d'équiper, il y a déjà des stations pour les, comment dirais-je, des consoles pour faire le mastering, mixage, tout se passe ici. Et puis duplication des CD, c'est vrai, on a la machine qui est là. Et puis pour les clés USB, ça arrive d'ici peu. Donc voilà. Donc c'est ici que tout va se passer. De telle sorte que si donc, on commence un projet ici à zéro jusqu'à finaliser ça, donc vous venez vous enregistrer après. On multiplie vos CD et puis s'il faut faire la distribution sur les plateformes légales des téléchargements. Donc via notre application qui sera mise en place d'ici là déjà, donc c'est presque fini. Donc voilà, c'est ça. On peut essayer un son, juste quelque chose. Oui, on peut essayer quelque chose, faire une démonstration parce que c'est ce qui était prévu. Je vais essayer quelque chose avec Papa Thompson. Ok. Vous avez le micro devant. Oui. Il y a possibilité au salon de réponse. Oui. Donc, juste à la fin. À la fin. Oui, à la fin. C'est prévu. C'est prévu. Alors, il y a, s'il vous plaît, ingénieur, il y a Baba Patrice qui a demandé quelque chose. Bon, juste parce que, comme c'était prévu pour la démonstration, je ne sais pas si l'équipe de band est là. Ils sont déjà là. Vous pouvez vous prendre place. Les autres sont dehors, appelez-les comme ça, vous vous installez. On commence avec Baba Patrice et puis après, nous allons prendre le frère Nick
qui fera aussi sa démonstration avec c'est les autres. Clavier, là. Il y en a. Oui, il y a le clavier qui est là. On appelle Olivier. Olivier là. Olivier là, ok. Ok, ok, ok. C'est bon. Je vous en prie. Oui, on est dans la joie, hein. Amen, amen. Gloire à Dieu. Qui nous est offert par Dieu. Amen. S'il vous plaît, les dispositions pratiques là, ça c'est après. Dispositions pratiques. On n'est pas dans la gratuité, sinon. On n'est pas dans la gratuité. On va vous le fixer d'ici là. Donc, on travaille encore sur ça. Oui, oui. Parce qu'on doit faire les retours sur investissement et tout. Pardon ? C'est pour tous les artistes gospel. Pour tous les artistes gospel. Donc, en dehors même des Madjab, tous les artistes gospel. Ouais. Tous les artistes gospel. Ils sont là ? Ok. Vous pouvez prendre ? Vous pouvez aller ? En fait, vous êtes à côté que moi. Ok. Ah oui, il m'a dit. On va faire ceci. Dès qu'il commence, Papa Patrice, vous prenez de l'autre côté pour la batterie. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un. Non, juste. Yeah. Juste. Ok. Alors, nous, pour bien écouter, on doit être de l'autre côté, là, à la régie, pour avoir le retour. Le lead. Le lead de l'autre côté. Papa Tom. On est écouté. Mais c'était un featuring. Ouais, mais c'était un... fini. C'était un featuring, à ce que je sache. Okay. Papa va à la cabine, non? Oui, il va à la cabine. D'accord, ok. On va pas le voir s'il est là-bas. Non, si, on va le voir. Il y a les cons retour. C'est okay. Justement ça la beauté de la chose. Ok. Super. Vous allez bien. Charleston. Tome 1. Tome 2. Encore tome 2. Lionel, vérifie un peu dans la cabine du lit. Ça, c'est l'onction de la prière depuis ce jour. 16. Non, Marc, et il y a combien du monde? Il y a du monde à l'extérieur? C'est juste les caméramans ou bien les artistes? Ok. Exactement.
On va enregistrer maintenant, c'est bon? Les amis? Lionel, il a une prédication. Il a une prédication. Ok, silence. Donc, quand tu veux. Vert. Ah. Ah. Ok, attention, avec... Panique. Ok.
D'accord. Ça, ça peut être un... Vous allez faire un grand-père. Normalement. Votre console, ça fait 70. Kembo na yo, kembo na yo, nzambe na nga, kembo na yo, nzambe na nga, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Yesu ozalaka fololo, nalo na yo na motema na nga, kembo, kembo na yo. Bon interview. Franchement, c'est une joie énorme de notre part de pouvoir constater cette évolution dans notre monde artistique. Ça fait longtemps que nous avons commencé à œuvrer pour Dieu, chanter pour son honneur, comme vous venez de le dire. Et là, voyant ce que le couple Bondo venait de réaliser, surtout dans la vision de la musique que nous sommes en train de faire dans ce monde, nous lui disons sincèrement merci. Et que le Seigneur le bénisse, parce que tout de suite, là, on manque des mots. Parce que dans notre vision de chanter pour Dieu, on a tant souhaité arriver à ces niveaux. Et aujourd'hui, nous n'avons rien envié de l'étranger, parce qu'il y a de fois, nous avons toujours eu l'habitude, après les studios d'enregistrement, on doit chercher à voyager, attraper un billet, et puis faire des longs trajets pour aller chercher à performer et notre œuvre. Et là, je crois, tout va commencer à se passer chez nous, donc à domicile. Et nous sommes vraiment fiers de cette initiative. Faire peur, dans quel sens, je ne sais pas, mais je crois pour nous, ça nous aide. Ça nous aide à amener la parole de Dieu là où parfois on est un peu complexé. Hein, c'est-à-dire, les gens verront la qualité de ce que nous allons reproduire. Et surtout, les messages que nous transmettons aux gens, je crois avec cette nouvelle technologie, on va nous aider de pouvoir bien équilibrer la musique, la voix parfois qui a été jadis donc fusionnée. Il y a des fois, on a mal à comprendre qu'est-ce qu'il a parlé, la musique dit quoi, les paroles, et parfois l'exagération même des sons. Et là, je crois que nous avons des experts tout près de nous qui seront en mesure de nous aider et comment pouvoir équilibrer notre musique, et surtout que le message que nous transmettons aux gens, que ce message soit bien reçu et puis bien compris. Je crois qu'il n'y aura rien à regretter. Voilà. En tout cas, je crois qu'au-delà du spirituel, nous avons toujours besoin d'une bonne présentation
sur le plan de la forme et même du fond de ce que nous faisons. Et c'est vrai que nous avons des studios, je ne peux pas dire que nous avons toujours des bons studios, des bons ingénieurs, surtout aussi de bons ingénieurs qui se débrouillent parfois avec le matériel inadéquat ici, mais avec l'arrivée de ce grand studio tel que qu'on le voit, vraiment on doit dire ouf, enfin, il fallait à la hauteur de cette musique chrétienne que nous produisions, nous avons besoin d'un tel outil, Dieu soit loué, au standard vraiment international. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre grandiose qui s'est faite ici à Madjabou. Okay. Et ces grands studios sont accessibles à tous les... En tout cas, là c'est plutôt aux responsables. Nous savons que c'est plus gospel. Mais bon, dire que c'est pour le grand public, toutes les tendances confondues, c'est plutôt aux visionnaires de préciser. Je suis Aristote Nzouzi, directeur technique de Madjabou Holding. Ok, la manière dont va fonctionner le studio, nous l'avons aussi bien dit, il y a plusieurs domaines dans ces studios avec ces aspects qui le renferment. Donc on a le mixage, le mastering, ainsi que la duplication des supports. Donc on a la duplication des CD, duplication des clés USB. Et à part ça, il y aura un prix qui sera fixé d'ici peu. Donc le public qui est en train d'attendre le saura bientôt. Donc voilà. Et ce studio-là, qui a le droit de venir enregistrer ces chansons ici? Ok. Qui a le droit de venir enregistrer au studio? C'est bien évidemment les artistes Madjabou. Nous avons dans notre panel les candidats de Madjabou Talent qui seront là à la finale et tout ça, bon, ceux qui vont être retenus. Et nous avons les Silver qui étaient retenus par rapport à ces projets Madjabou Talent. Et bien évidemment, tous les chrétiens. C'est-à-dire tout celui qui sait ou toute celle qui sait qui fait la musique gospel est la bienvenue dans notre studio Nehema Madjabou. Bon, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais par rapport à ce que nous prônons, c'est-à-dire par rapport à notre éthique dont nous avons fixé les règles comme ça, par rapport à ce que nous proposons sur le marché en termes de studio. Et quelles sont les particularités des SMI? Les particularités de ces studios, nous l'avons si bien énuméré dans notre présentation. On a cette console de Avid avec Pro Tools et tout ça avec différentes cabines qui sont là, bien détaillées. Et aussi, nous commençons un projet de zéro, c'est-à-dire dès la composition, parce que nous avons des ingénieurs du son qui peuvent bien accompagner les projets. Vous donnez bien évidemment aussi d'autres coachs de musique qui peuvent vous aider avec votre projet. Et dès ces projets qui commencent de zéro, donc jusqu'à l'impression de votre support. Et après ça, il y a une application qui sera éditée bientôt, déjà presque finie, pour la distribution de la musique. Donc une fois que vous finissez votre projet, on distribue votre musique dans toutes les plateformes légales de téléchargement. Bon, je peux dire que le champ d'action est déjà élargi, vu notre vision, parce que on fait appel à tout le monde, même... les personnes qui ne sont pas ici parce que le studio répond déjà aux normes internationales. Bon, ça c'est parmi les projets d'avenir, s'il faut le dire. Okay. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que nous devons faire retour sur investissement par rapport à ce qui a été dépensé, mais nous restons sans ignorer que Madjabou est là pour accompagner d'abord les enfants de Dieu, promouvoir l'œuvre chrétienne, s'il faut le dire. Alors, nous aurons des prix, je peux dire, raisonnables pour toute personne, même qui, je peux dire, le petit peuple, qui peut venir approcher ces studios et puis enregistrer son projet et être connu. Parce que dans notre objectif, nous disons, même dans notre slogan, qui n'est pas seulement même un slogan, mais c'est notre vécu, où nous disons « partager le rêve ». Donc, nous sommes là pour partager les rêves, même de ceux des démunis qui viendront dans ces studios. Ils vont partager leur rêve au monde. En fait, c'est simple. Je suis ambassadrice de Madjabou Gospel. Et donc, étant ambassadrice de Madjabou Gospel, j'accompagne Madjabou Gospel. Je suis dans la famille Madjabou Gospel, alors j'accompagne tous les projets de Madjabou Gospel. Étant donné que Nehema est powered by Madjabou Gospel, raison pour laquelle je suis là, étant famille de Madjabou pour célébrer. Voilà.
Moi, je me dis que le rêve de plusieurs musiciens de ce pays est en train d'être réalisé parce qu'on égorge tellement de talents ici au Congo et même dans le monde, je peux dire. Mais je parle précisément du Congo parce que le studio se trouve ici. Mais malheureusement, le niveau du talent n'était pas vraiment le même avec beaucoup des studios où les gens partent enregistrer. Alors en voyant ce studio, je me dis, mais waouh, enfin, le rêve de plusieurs artistes est en train de se réaliser. Oui, quand comparé à le studio haute, aussitôt Toleka, nous avons été à qualité studio. Aux États-Unis, partout, ici, quand je suis dans un studio, mais le studio Neema, ils ont permis de se faire un au Congo. To sala musala kitoko to bimisa siko ba son o nanu to bimisa te po studio Neema ezo permete siko to bimisa siko ba qualité studio pona ko bakisa to si to avancé déjà na moi musala nzembo kala mingi te ya ndeko na biso artiste na ngai moko Nick ezo bima kala mingi te po to zela ki ka e studio ya studio e sili nango tozo avancer kalamingité projet nae ezobima message on azo pesa na bande ko na biso ba artiste a Congo ezake ma studio Neema eye pona ko faciliter ba artiste nyonso surtout ya Congo po ba sala musala kitoko. Ce que nous pensons c'est que c'est une très très grande opportunité pour nous d'avoir un studio ici sur place avec les normes qui conviennent. C'est une très très grande opportunité. Ça nous permet d'aller vite. Ça nous permet de travailler avec un moral posé. On n'a pas le temps à se chercher par rapport aux horaires, aux agendas, les studios, les ingénieurs. On sait travailler quand il le faut avec un bon moral pour nous permettre d'avancer très bien. Alors déjà pour dire, Madjabou le fait déjà bien. Okay. Alors avec le support que nous avons actuellement, qui est le studio Neema, je pense que nous aurons encore emmené la barre très loin. Parce que Max Djabou est très exigeant sur la qualité. Alors je pense que ça sera qu'une bonne chose. Exactement, je peux dire que c'est un rêve qui s'accomplit. Et les jeunes comme nous tous là, on a beaucoup attendu. Peut-être que nous n'avons pas eu des opportunités faciles pour entrer ou des ouvertures faciles. Mais premièrement d'abord, Max Djabou nous a recueillis pour nous donner un moyen d'exprimer nos talents et deuxièmement, il nous a mis dans les conditions pour travailler et troisièmement, voilà, il nous accompagne très très bien. Je ne sais pas si je suis obligé de répondre à cette question, mais je pense que déjà le studio fonctionne. Là, voilà, vous ne devez que contacter, ils ne peuvent que contacter le responsable du studio. Alors, pour en ce qui concerne les artistes, pour être dans la boîte, là, ça ne dépend vraiment pas de moi, mais... Oui, c'est plus pour ceux qui voudront enregistrer. C'est ceux qui voudront enregistrer seulement au studio. Oui, oui. Alors, j'ai dit, le studio est déjà ouvert. Aujourd'hui, il y a une ouverture officielle. Alors, vous pouvez juste passer au studio, prendre, vous enregistrer et on vous donne un programme pour enregistrer. Déjà, comme à l'Obaki, on a français, ils ont touché Bissot personnellement. Okay. Donc, ils ont... Et ça peut-être en tant qu'artiste, hein, mutuion sur au salon de musique, à l'ingaga bâti na ba condition mon kobo ya bien par rapport il y a toujours la qualité à son et tout en venir et tout l'ingala français, comprenez. Mais ce que nous et l'autre les autres touchés biso personnellement, c'est justement avant tout cas au moins un studio à boité. Donc né tout ça qu'enregistré na kati awa déjà na ba condition nous sont et autres ça biso est single et nous sommes très fiers. Tout ça vraiment fier et oui, ça montre que biso tout ça artiste à Madjab et studio na biso eza boye boye avec tout ce qui répond aux normes internationales. Donc si je peux répondre par rapport à ça. Voilà, la famille, j'espère que vous avez vu en image ce que je vous avais prédit. OK? Ce que je vous ai dit au tout début. Ces grands artistes gospel ont répondu présents. Ils sont venus eux-mêmes, bien entendu, palper, être en contact direct avec cette nouvelle technologie que nous offre
Mahadjabou Gospel. On a vu la présence du frère Patrice Ngoï Moussoko. Nous avons vu Papa Franck Moulaja. Nous avons vu le pasteur Atoms. Nous avons vu l'un des ambassadeurs Mahadjabou. Il s'agit bien sûr de Rance Nikaïba, n'est-ce pas? Répondre présent. Nous avons vu Papa Cédric, n'est-ce pas? Un des managers aussi dans Mahadjabou Gospel. On a vu pas mal de personnes. Et d'ailleurs, puisque c'est les médias qui communiquent, puisque c'est les médias qui ramènent les informations, et deux fois, les médias reçoivent des artistes, histoire même de faire la recommandation ou encore de voir un peu jusqu'où la musique gospel de notre pays est en train d'aller. On a vu la présence de Yamami, il est là. Une des grandes figures, bien entendu, de la culture congolaise, enfin, des médias, ok? Et vous avez vu demain, on est à Mokoussi Atal, vous avez vu les grandes chaînes de télé de l'international. On était présents tous pour voir cette grande inauguration de ce merveilleux studio Mahadjabou Gospel, ok? Il est vrai que ceux qui sont signés Mahadjabou et ceux qui sont dans Mahadjabou Talent sont, bien entendu, les heureux bénéficiaires de ce merveilleux studio. Ce sont eux, bien entendu, qui auront beaucoup plus de chances pour découvrir pas mal de choses dans ce merveilleux studio. Il est vrai que les ambassadeurs de Mahadjabou Gospel, papa Michael Kalambayi, la sœur Deborah Lukalu, toutes ces personnes auront la chance, bien entendu, d'avoir rien que pour eux le studio Mahadjabou Gospel. Mais ce n'est pas seulement pour ceux qui sont signés Mahadjabou, ok? C'est également pour ceux qui viennent de partout à travers le monde, mais qui font de la musique gospel. Ce studio, oui, ils auraient pu faire un studio business pour accueillir tout le monde et tout, même ceux qui font de la musique profane. Je ne sais pas si dans le temps, ils vont élargir les choses de cette manière, mais pour le moment, c'est un studio exclusivement gospel. Eux, ils veulent accompagner ceux qui font dans le gospel. Ce n'est pas de la discrimination, c'est juste une question de choix. Il y a pas mal de choses qui se font aussi ici, où on voit qu'ils ont plus privilégié la musique profane, ok? Ils ont plus privilégié ce côté-là. Alors, si aujourd'hui quelqu'un a pensé au gospel, pourquoi pas? Alors, ce merveilleux studio, ok, qui réunit toutes les normes internationales, on n'a plus besoin de payer des billets pour aller à l'étranger pour enregistrer. Même moi, avec ma petite voix, là, si un jour j'ai envie de faire du world music gospel, je sais que j'ai un studio qui répond aux normes. Je fais tout, j'enregistre, je duplique, tout, je fais à partir d'ici dans le studio de Mahadjabou Gospel. Alors, je passe un message aux artistes gospel. Vous êtes là, moi je suis tel, j'ai chanté chez tel, j'ai pris là-bas. Ici, ce n'est pas une question de moi, je suis musulman, je suis kimbanguiste. C'est un studio gospel. Tu chantes pour Jésus, tu chantes pour Dieu. En tout cas, si tu fais du gospel, tu es le bienvenu. Tu seras enregistré sans problème et ça sera à un prix très abordable. Ok? Après, ce sont des chrétiens. Et puis, il ne faut pas faire genre que, ouais, vous savez, je passe par un pasteur, je passe par un tel pour essayer de venir, d'avoir un peu de faveur pour qu'on puisse réduire mon prix. C'est du business. Ils n'ont pas investi Matthieu 7:7 dedans. Ils n'ont pas investi Jean 3:16. Ils n'ont pas investi les Thessaloniciens. Ils ont investi de l'argent. Donc, de la même manière que vous allez sortir argent pour payer studio billet d'avion pour aller à l'étranger pour enregistrer, sortez aussi argent pour venir enregistrer dans l'œuvre de votre frère congolais, dans l'œuvre de Dieu. Bénissez pour que vous puissiez être béni. Accompagnez de la même manière que ceux-là aussi accompagnent. Votre façon à vous de soutenir, c'est de venir enregistrer chez eux. À un prix. C'est-à-dire qu'on vient, on vous dit, c'est autant. Tu payes, tu discutes pas, tu donnes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que tu accompagnes aussi et tu soutiens l'œuvre de Dieu. Accompagnons nos frères. Le studio Mahadjabou est là pour vous. Enfin, c'est le studio Nehema by Mahadjabou Gospel. Ok? C'est ça le nom du studio. Alors venez nombreux. Ils ne sont pas loin. Ce studio se trouve, je vais vous donner une référence simple. Si vous venez de Kitambo Magasin, ok? Vous venez de Kitambo Magasin, vous allez comme si vous allez vers le boulevard du 30 juin, au niveau de Aurore. Cette avenue-là, juste en face. L'avenue s'appelle Éléphant. Ou encore sur le boulevard seulement, là où on dit que c'est Chanik, là où il y avait l'éléphant. Voilà, vous prenez cette avenue-là. Si seulement vous arrivez là, vous demandez Mahadjabou.
On va vous montrer n'importe qui. Vous arrivez là-bas, on vous montre la direction, vous entrez. Ils sont très accueillants, ils sont très gentils. Il y a des belles tantines là-bas, faut pas aller... J'ai dit juste belle, mais ça sert Dieu là-bas. Vous arrivez là-bas, vous allez voir ces tantines-là de la réception qui sont très accueillantes, ces tontons-là de la réception qui sont très beaux et très accueillants aussi, c'est pour Dieu leur beauté. Bien entendu, vous allez les trouver là-bas, vous discutez avec eux, ils vont vous accueillir, ils vont vous installer, ils vont vous donner la grille tarifaire, vous allez échanger. Et puis d'ailleurs, l'avantage, c'est que quand tu pars dans Mahajabu, dans Nema, by Mahajabu, si tu as seulement ta petite voix, mais tu veux chanter, c'est ton argent, personne ne va te refuser. Mais seulement, ils vont t'aider, ils vont te donner un coach qui va t'orienter. Ils ont des bons beatmakers. Eh, Seigneur! Et puis, si tu veux même faire clip, il y a la possibilité même de tout faire. Tu fais studio, tu fais même clip. Ils vont t'accompagner en tout et pour tout. Ils sont hyper équipés, je vous dis. Vous n'avez pas aidé. Donc, vous avez même ce support médiatique-là, les banderoles et tout ça, les flyers, les affiches, les trucs, la conception de toutes ces choses. Ils le font. Vous voulez que ça puisse être sur CD ou sur Flash, sur n'importe quel support. Ils vous font du tout. Mais comment ne pas accompagner un projet comme ça? Comment ne pas soutenir, un truc comme ça? Alors, moi, demeure officielle, vous savez que je ne fais pas dans la petitesse. Je dis que tu es en France, viens enregistrer à Kinshasa. Tu es aux États-Unis, viens enregistrer ici. On ne s'inquiète plus de rien. On a quelque chose de qualité, un prix abordable pour le corps du Christ, pour le peuple de Dieu. Venez nombreux soutenir Mahajabu Gospel. Votre façon à vous de les soutenir, c'est de venir avec votre argent enregistrer et puis vous repartez. On a été très bien accueillis. C'était des moments merveilleux. On a rencontré des belles personnes. C'était beau à voir. Tout s'est très bien passé. En tout cas, puisque vous nous avez très bien accueillis, nous vous souhaitons plein de bonheur, plein de succès, plein de bonnes choses. En tout cas, allez de l'avant, allez loin avec ce projet. Et on attend de voir encore plus, on attend de voir meilleur. Nous, les chrétiens, là, on aime trop minimiser nos frères. Nous, les chrétiens, on aime trop faire de la gratuité. On préfère sortir l'argent ailleurs. Mais chez nos propres frères, on n'aime pas sortir l'argent. Il est temps de montrer que notre Dieu est un Dieu de qualité, est un Dieu de la perfection, est un Dieu qui bénit aussi. Si on se bénit entre nous également. Donc, accompagnons ce projet. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je ne dirai jamais tout de toute façon. Mais une chose est sûre, que c'est ça qui est ça. Vous êtes invités nombreux dans ce merveilleux studio, Nema by Mahajabu. Ok? Donc, je vous invite nombreux. Et je pense que les messages ont été passés en lingala, en anglais, en français, pour vous expliquer ce qui vous attend dans ce merveilleux studio. Alors, moi aussi, je vous le dis, mes marmailleurs, mes congosseurs, je me lance dans gospel. Je vais payer mon argent pour mon studio. Avec mon petit argent de YouTube, je vais aller chanter pour Jésus. Cet enfant-là qui a chanté, Nayoka Nangai Koloba, vous savez pas, hein? Vous avez entendu sa voix comme ça. Peut-être que demain, il va aussi enregistrer dans Mahajabu, Mahajabu là-bas, ce studio. Là. Donc, moi aussi, je vais en profiter. En tout cas, je vais saisir cette opportunité. Faites comme moi. Venez enregistrer. Sinon, le prochain album de Pasteur Mike Kalambay, la qualité du son que vous aurez, vous allez pleurer. Sinon, le prochain son de la sœur Ronsni Kaiba, si vous ratez, vous allez pleurer. Allez à l'étranger, vous allez voir. Le prochain son de la sœur Sandra Mboui, si vous ne faites pas attention là, ils vont faire fort. Le prochain son de la sœur Deborah Lukalu, si vous ne faites pas attention là, ça a dépassé celle qui vous a chanté en anglais. Jesus, you love me too. Je vous dis, ils vont vous faire du world in Congo. Tout va être enregistré, tourné ici. Je vous aurais prévenu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai passé des très bons moments et j'ai découvert des belles choses. Ça me donne envie de me lancer dans la musique. Dites-moi si je sais chanter. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Nema by Mahajabu. Tu as entendu? J'arrive. C'est qui même l'ingénieur de son? À bientôt. Ça, c'est pour une prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi merveilleusement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Passez ce message à vos proches et dites au peuple de Dieu d'accompagner cette œuvre. Les pasteurs, tous les hommes de Dieu qui aimeraient faire un tour pour aller voir, pour bénir cette œuvre, vous êtes les bienvenus dans ce studio Nema by Mahajabu. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit.
Merci à vous. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Restez branchés, connectés 5 sur 5 sur Demeure Officielle. Attendez-vous encore à des scoops, mais de ouf, vous savez. Et voilà quoi. N'est-ce pas? Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. L'amour est Dieu, Dieu est amour, paix sur terre. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.